Et salut YouTube, c'est Rookster, on se retrouve pour une vidéo gameplay Dead by Daylight Killer avec le montagnard Billy, avec un gameplay donc du coup basé sur l'utilisation de la tronçonneuse avec un peu de Dora et surtout avec claustrophobie, donc depuis le patch qui a été up, je vous explique. On va partir sur chili et barbecue, donc compétence du cannibale qui va faire que lorsque vous allez hooker un survivant à un crochet, eh bien les auras de tous les autres survivants qui sont donc à plus de 40 mètres du crochet vous seront révélées pendant 5 secondes. Pour booster cette compétence, vous allez prendre le poursuivant meurtrier donc du Némésis, qui fait qu'en début de partie vous verrez l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes. Et la compétence donc du coup chili et barbecue aura une durée augmentée de 2 secondes grâce au deuxième effet du poursuivant meurtrier. Donc cela passera à 7 secondes pour les auras. Vous allez prendre du coup la claustrophobie qui fait que chaque fois qu'un générateur est terminé, les fenêtres et les sauts d'obstacles sont tous bloqués pour tous les survivants pendant 30 secondes qui suivent. Et vous verrez l'aura des emplacements donc de sauts bloqués par claustrophobie pendant toute leur durée, ce qui va vous permettre d'utiliser votre tronçonneuse de manière très intelligente et surtout très efficace avec Billy. Enfin, vous allez prendre le crochet flagellateur de l'artiste qui fait que vous allez commencer la partie avec 4 jetons. La première fois qu'un survivant est suspendu, donc un crochet flagellateur, vous perdez un jeton. Le générateur avec la meilleure progression donc, explose, perd immédiatement 25% de sa progression et il commence à régresser. Lorsque vous n'aurez plus de jetons, eh bien, ces crochets redeviennent des crochets classiques. Enfin, vous allez prendre la botte à papa donc, qui augmente de 28% la vitesse de rotation d'attaque ruée donc, pour favoriser eh bien, l'utilisation de votre tronçonneuse. Et le tableau de chasse donc, augmente de 10, la vitesse de mouvement d'attaque ruée de 15%, qui augmente de 12% le temps requis pour charger la tronçonneuse et qui réduit de 14% la chaleur produite donc en chargeant celle-ci. L'idée dans ce build est de faire un maximum d'utilisation de tronçonneuse. Donc lorsque vous allez suspendre un survivant à un crochet avec le poursuivant meurtrier, vous allez immédiatement donc partir à l'assaut d'autres survivants. Si en plus de ça ils ont utilisé donc eh bien leur compétence de réparation, eh bien vous aurez la claustrophobie qui va s'activer et vous allez pouvoir donc surprendre les survivants qui voudraient eh bien utiliser des fenêtres et non pas de palettes. Je vous laisse découvrir donc ce gameplay, ça se passe sur Forêt Rouge. Si jamais le contenu vous plaît, la petite cloche, le petit pouce bleu et Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h. Bon visionnage et bonne chasse. Let's go. Bon là pour le coup, forêt profonde, bah il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Bon bah c'est un peu la merde, on va essayer de faire un truc mais Oh non, j'ai été trop vite vers la droite, dommage. Ok, okay, on a vu Mademoiselle Denson. On l'a vu, elle est là. Je crois, on l'a pas vu, on l'a pas vu, on a vu de la fougère. On a vu de la fougère. Monsieur, Monsieur Visconti. Ouais, Monsieur Visconti qui est là. Ouais. Il est où? Ah, il est là. Hein. Ah, ok, d'accord. Ah, j'ai glissé, chef. J'ai glissé. Ok, il va me garder sur le loop qui est là. On va aller ailleurs. Les gars, je suis Billy. Soyez sympa avec moi. S'il vous plaît. En tout cas... Je transcende les foules en ce moment. J'ai des fans partout. Et ça, c'est beau. Je suis pas sûr que j'ai eu autant de fans un jour. Et pour le coup, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que ça passe? Dommage. Dommage. Ok. Ok. Ah, en vrai, là, les potes, hein, franchement, on va pas se mentir. C'est la Bérésina. Ouais, bah ouais, non, mais c'est normal. Quoi? Ok, bien joué, ça. Nice, ça passe. Ok, quadruple gène. En soi, je pense pas que ma prestation soit full dégueu, mais c'est compliqué. Ouais. Dommage, j'ai essayé mais c'était un peu compliqué. Mais par contre, t'abuses un peu, frérot là. Quand même, t'abuses un peu des bonnes choses, hein? Oh dommage, mais ouais. Que tu vas... Ouais... Ah non, bien joué.
Qu'est-ce qu'elle est? Ok, elle est déjà là. Nice. Elle est là. Eh ouais frérot, y a pas que la tronçon sur Billy. Hein. Eh ouais, faut pas jouer que tronçon Billy. Hein. Nice. Ah ouais, voilà. Bien joué. Quoi? Oh frérot, sérieux, ça passe pas ça? Eh bah écoute. Ça passe pas, faut croire. Faut croire que ça passe pas. Elle a soupe ou pas? Ah non, elle a pas soupe. Nice. C'est flash. Parfait. Nickel, on va aller sur Monsieur Asakawa. Monsieur Asakawa, du coup, qui va prendre la fenêtre. Ah, il y a quelqu'un. Monsieur Visconti. Mais comment ça se fait que là je le tronçonne pas en fait le collègue? C'est pas normal ça. Hein. C'est pas normal ça monsieur l'arbitre. Announce. Qu'est-ce qu'il y a mon petit Kara? Il est là. Ok bon là. Peut-être falloir commencer à... Ok on a de nouveau perdu un gène. Ok, il peut pas prendre la... il peut pas. Eh ouais, mec. Non, tu peux pas me flasher ici. C'est pas possible. Il y en avait deux. Il y avait l'autre et... Ok. Après, de toute manière, là... Moi ça me dérange pas. Hein. Contre le mur. Tu peux pas me flash. Ça me dérange pas. Bonne nuit. Si tu veux me bloquer, bah tu me bloques jusqu'au bout frérot mais... Oh bah il a déjà été des hooks, bien joué. Monsieur Visconti. Ah bah il va à la chaque. Monsieur Visconti va à la chaque. Ok il faut. Je me stocke partout sur cette map. C'est terrible. Ok. Monsieur Asakawa. Voilà monsieur Asakawa. Vous allez arrêter de faire le malin s'il vous plaît. Hein. Bon je vais me faire flasher mais parfait. Bah voilà. En vrai, franchement, on est pas mal là. Et bah voilà. On a fait 5 hooks contre une bonne équipe encore. C'est pas mal. Après, il faut juste que je me mette comme ça parce que sinon ils vont pouvoir me flash. D'ailleurs, je vais même me mettre comme ça en fait. En fait, j'ai body block ici. Comme ça, ils peuvent pas passer par là. Ils sont obligés de passer par là ou par là, mais je les verrai. Comme ça, moi, je body block déjà une sortie. Et ça, c'est pas mal. Ok, je l'ai vu, elle est sur la droite. Ok, ils sont juste là. Monsieur Visconti. Quoi? Monsieur Visconti, vous êtes là? Ok, Monsieur Visconti, il est quelque part.
Monsieur Visconti, vous aussi, vous restez avec moi, monsieur Visconti. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut rester avec moi? En vrai? Oh bah voilà, mademoiselle Kimura, vous restez avec moi aussi. Eh bah monsieur, monsieur Asakawa, vous restez avec moi aussi. Bah, c'est incroyable. Tout le monde veut rester avec moi. Magnifique. Monsieur Asakawa, bonjour. Voilà, mademoiselle Denson. Vous voulez rester avec moi ou... En vrai? Eh bah voilà, mademoiselle Denson, elle a compris. Au revoir, mademoiselle Denson. Allez, boum. Incroyable.